Écoute Tristan, ça fait 5 ans que je suis journaliste. J'ai un DEA d'économie publique, un double master d'économie appliquée. Et tu fais du violon aussi. T'es marié? Non, non, non. T'as peur de t'engager? Non, c'est pas ça. On peut très bien se voir comme ça, de temps en temps, tu vois, pour le plaisir. Oui, mais le plaisir de qui? En fait, j'aurais baisé une limace sous anesthésie générale, c'était un peu pareil. Le prends pas pour toi, hein. Connard. Bref, je suis nulle. Je vais devenir le meilleur coup de Paris, Ben. Intramuros ou... Île-de-France, même. Jusqu'à Montargis. Ah, tu vas à Montargis? C'est formidable. Le sexe pour les tocards qui est, je dirais, la base. First in bed. Je vous préviens, c'est très technique. Oui, oui, oui. Le sexe en période de crise. Tristan, c'est toi qui prends le dossier. Viens récupérer le numéro d'une escordiole. Bonjour, vous êtes Agathe? Excuse-moi, c'est mon client. Bonsoir, Peter. Un mec, c'est à toi de le regarder. Bien lubrique et de penser au cul. Chaque particule de ton corps doit penser cul. Ouais. Ouais, non. Cul. Donc vous visez la performance? Oui, c'est ça. J'ai personnellement mis au point un coaching pour former des expertes. Buvez ça d'un trait avant l'acte. Vous allez vivre un moment merveilleux. Du chaud. Est-ce que c'est mal? C'est... De toute façon, on s'en fout, c'est pas nous qui rédigeons les textes. Les histoires de cul, j'ai ma dose. T'as quand même pas cru qu'on avait couché ensemble? On n'a pas couché ensemble? Bah pas du tout. Plutôt mourir. Il faut se mettre dans une vraie logique d'entraînement. Vous pouvez pas fonctionner au coup par coup. Eh, viens de voir l'escorte, là. Je pense qu'elle fait ça pour payer ses études. Non, mais, tu sais que les mecs, ils doivent brûler des cierges pour qu'elle redouble. Hein, c'est...